sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la date de naissance du 7 février 1998. Je suis Esther Godard, je suis praticienne en naturopathie et fibro-libérée, mais aussi j'adore partager le tarot de Marseille et vos chemins de vie en décortiquant vos dates de naissance. Alors, merci à la personne qui m'a confié sa date de naissance du 7 février 1998. Je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur qu'est-ce que c'est que cette date de naissance, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, au travers de nos chiffres, nous sommes venus explorer un chemin de vie. Ce sont des informations supplémentaires à la connaissance de soi. Chaque nombre va situer l'œuvre que l'on a à réaliser dans ce monde. Ceux qui ne cherchent pas vraiment à se réaliser sont ballottés par les événements. D'autres n'en auront pas du tout conscience, mais pourtant seront portés par une éthique et certaines valeurs qui feront qu'ils vont réaliser des choses et qui vont honorer la vie sans vraiment savoir qu'ils sont venus pour ça. Et certains réaliseront en conscience pourquoi ils sont venus, ils mettront l'accent dessus et le développeront. Et c'est pour ça qu'ils viendront me voir pour que je les aide justement à décortiquer cette date pour qu'ils puissent mieux comprendre, pour savoir où aller exactement. Voilà. Alors, toutes les difficultés que l'on rencontre dans notre vie sont là pour nous parler de déséquilibres que l'on porte en empreinte émotionnelle. Elles agissent dans nos vies. Et les pistes que l'on a pour retrouver notre équilibre sont aussi nos dates de naissance. Eh oui. Alors, à la découpe de la date de naissance, on va apporter des précisions sur les anciennes façons de penser. À partir de là, ça permet de progressivement et à la fois accepter, hein, pour chacun ce qui a été difficile et en même temps de faire ce qu'il faut pour se remettre dans un alignement de la lumière et de la vérité, surtout de sa vérité profonde. Voilà, de qui on est vraiment. Alors, ce sont ici des généralités, pardon, je fourche ma langue, qui, quand je vous fais ces séances en privé, en individuel, sont vraiment adaptées à chacun, bien entendu, parce que la date de naissance, c'est une chose, mais il y a aussi tout l'environnement et la personnalité. Et donc, grâce à ces échanges et au partage et à la personnalité et au vécu donc de chacun, eh bien, on approfondit beaucoup plus cette date de naissance. D'où l'importance de prendre rendez-vous avec moi pour une meilleure compréhension, explication et interprétation de vos dates. Alors aujourd'hui, je vous présente donc cette fameuse date, la date du 7 février 1998. On la décortique de cette façon, c'est-à-dire que le 7 février, c'est le 7 et le 2, hein. 1998, on va additionner tout ensemble. Ça va nous faire le 27 qu'on va réduire à 9. Donc 7 et 2, 9. Et puis, la date de naissance, quand on l'additionne, ça fait 2007. Et 2007, on l'a réduit à 9. Donc là, le chemin de vie, est vraiment bien en lien avec, son année de naissance. Et donc, ça va aider à décortiquer tout ça. Alors, on attaque avec le 7. Et le 7, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 7, c'est le jour de naissance. C'est ce qu'on appelle le nœud de vie. C'est son nœud de vie. Et il représente le passé, c'est-à-dire les vies d'avant, celle-ci. Notre jour de naissance, c'est une entrée dans la matière. C'est ce qui paralyse l'être et c'est ce qu'il est venu regarder en face. Donc, c'est le travail qu'on a à faire et ce que nous sommes tenus de transcender dans tous les plans, dans toutes les dimensions. Et tant que l'on ne le comprend pas, nous serons sans cesse amené à le revivre. Et dans l'aspect sombre du chiffre en plus. Parce que, comme on ne comprend pas, boum, on se prend le mur et on continue de ne pas comprendre, et on continue de se prendre des murs. À un moment donné, hein, faut se réveiller. Et donc, le 7, là, on est sur le chariot. Et le chariot, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le chariot, c'est le symbole de ta dualité, de tes tiraillements intérieurs. Cet arcane exige que tu te donnes l'autorisation à ton avancement.
à ta réussite, même si les obstacles sont nombreux, et en particulier ceux que l'on érige contre soi-même, parce que c'est souvent ça, hein, auto-sabotage, on érige beaucoup d'obstacles contre soi-même. Et pour avancer vraiment, tu dois te poser vraiment. Comme le dit cet adage, le temps ne respecte pas ce qui se fait sans lui. Alors sois déterminé à évoluer avec ton véhicule sacré qui est ton corps. Honore-le. Voilà, c'était donc pour le nœud de vie, le jour 7. Et on enchaîne avec le 2. Le 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le 2, c'est le mois de naissance. Il représente ton programme d'âme, le présent à incarner. À la naissance, nous ne sommes pas encore cette force. Par contre, toute notre vie, on va tendre à y être et à l'être. Alors, tu vas faire l'apprentissage de ce symbole sous tous les aspects pour atteindre ce but. Tu es invité à devenir ce symbole vivant et n'oublie jamais que tu as aussi ton libre arbitre. Et le 2, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la papesse. Et la papesse, eh bien, elle nous enseigne une clé fondamentale qui est la présence. Notre présence. Il n'y a rien avant ni rien après. Le passé est terminé, le futur n'existe pas. L'instant présent est neuf à chaque instant. C'est aujourd'hui que tu construis qui tu vas être et ton passé. Voilà. Alors, prenez le temps de faire le choix de sortir du champ des expériences de la dualité, du champ de la souffrance inutile, pour être enfin capable de vivre sainement les changements inévitables à travers lesquels, eh bien, vous devez passer pour éveiller votre conscience. Un état de présence permet à la vie de se réguler et à la souffrance de disparaître. Voilà, très beau programme du mois, hein, en tout cas. Et bien l'année, et l'année, qu'est-ce qu'elle nous dit l'année? Eh bien l'année, c'est l'ermite. Alors, en énergie, réaliser l'année, c'est aboutir à l'objectif de cette incarnation. Les deux premiers chiffres, donc 1900, c'est 19, chiffres qui concernent une majorité de personnes, hein, ça va parler de quoi? Du masculin qui a dominé le féminin. Quelque part, dans cette incarnation, on porte le poids du masculin. Et à quel point il a été lourd. Alors, les deux derniers chiffres, eux, par contre, ils expriment un regard à identifier et à exprimer pour la résolution de cette vie. Donc, c'est une connexion à ton essence profonde. Alors, donc, ce neuf qui est l'ermite, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'ermite qui est aussi ton chemin de vie. L'ermite, c'est l'arcane du temps, de l'intériorité et donc de nos mémoires, de l'humilité et de la patience. L'ermite nous pousse à ne rien laisser au hasard, à être infiniment attentif avant de poursuivre, à accepter notre part de solitude, cherchant le juste chemin dans le dédale de l'existence. Prenez le temps de sentir votre incarnation. L'acceptation du temps est gratifiante. Le temps est notre ami. Il nous offre la possibilité de nous élever vers notre magnificence. Et donc notre lumière. Sacré programme. Et on enchaîne toujours avec l'ermite, le 9, qui est du coup le chemin de vie. Et le chemin de vie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'addition de ta date de naissance, ici, qui se fait donc à la verticale. Et cela va te donner des clés de compréhension de ta vie. C'est aussi la contribution à la vie, ton chemin de vie, ta manière d'apporter ton service à la vie.
Ce chiffre, il indique le regard juste qui dénouera toutes les complexités de nos vies et nous invite à déloger tous nos déséquilibres. Et donc, qu'est-ce qui nous dit l'ermite en plus de ce qu'on a vu avec l'année? Accordez à votre esprit des moments de calme. Il a autant besoin de silence que votre corps a besoin d'air. C'est pour dire, sans air, on ne respire pas. Et donc, on meurt. Et donc, le calme, c'est aussi important. Faites preuve de lucidité et de responsabilité avant d'agir. Être humble, c'est savoir qu'on est toujours perfectible, qu'on a encore besoin de progresser, qu'on a besoin des autres pour avancer et pour avancer plus vite avec les autres. L'orgueilleux, au contraire, pense n'avoir besoin de personne. Il se croit supérieur aux autres et a une fausse image de lui-même. Cultivez la persévérance et la patience dans le travail et dans l'effort. Ne cédez pas au découragement. C'est comme ça qu'on apprend, qu'on vit, qu'on a de l'expérience. C'est en persévérant, en ayant de la patience et dans l'effort. Et il y a comme ça qu'on y arrive. Cultiver la patience. La patience nous apprend à savoir attendre le bon moment pour agir. La maturation du temps et du temps, la maturation du temps pour récolter. Très intéressant ce chemin de vie. Merci beaucoup, en tout cas, à la personne qui est née le 7 février 1998 de m'avoir transmis sa date de naissance. Et bah, j'espère que cette date va beaucoup te parler. Et puis, bah, pense à mettre un commentaire sous la vidéo pour me faire un retour. Et si tu es intéressé pour des séances individuelles, pour décortiquer vraiment en profondeur ta date de naissance, eh bien, contacte-moi. Il suffit que tu regardes sous la vidéo. J'ai inscrit mes coordonnées. Et je me ferai un grand, grand plaisir de t'apporter ce chemin de vie, rien que pour toi. Voilà, personnalisé, en mode VIP. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir aussi, et puis ça fait grimper la chaîne. Et puis, bah, merci en tout cas pour votre fidélité, votre écoute, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine date de naissance.